Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Shara Atshuva, la porte de la Tshuva. Il lui dit le Rav, Amar Rabbi Yohanan, ou Amar Rabbi Levi, de la Tshuva Shemagad, Ad Kisei HaKavod, Shenemar Tshuva Yisrael Ad Hashem Elohecha. Il a dit, Rabbi Yohanan, ou Rabbi Levi, c'est grande la Tshuva qu'elle arrive jusqu'au trône divin. Comme c'est écrit, Tshuva Yisrael, reviens à Israël, Ad Hashem Elohecha, jusqu'à ton Dieu, ton Akadosh Baruch Hu. Et Bezat Hashem, on va nous expliquer, le Rav va nous donner des exemples. Comment c'est possible que la Tshuva elle peut monter très haut, jusqu'à le trône d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir, en premier, c'est impossible, selon la logique, de faire Tshuva. Si ce n'était pas que Akadosh Baruch Hu, il a créé la Tshuva avant qu'il a créé le monde. Que comment c'est possible que quelqu'un que lui, il casse par exemple un verre en miettes, c'est impossible de le réparer. Quand c'est en miettes, c'est impossible de le réparer. Tu prends les miettes, les morceaux, tu les jettes à la poubelle. Comment c'est possible que qu'un homme, il ait fait Tshuva? Comment c'est possible de prendre ce verre-là et de le ramener maintenant vers le patron? Le patron, le maître, il t'a dit, emmène-moi ce verre-là, de tel endroit à tel endroit. Au milieu du chemin, le bonhomme, il a trébuché, il a cassé le verre. Le patron, à la fin, il lui dit, où est mon verre? Excuse-moi, pourquoi excuse-moi? Moi, je veux un verre, moi. Tu peux t'excuser, je comprends. D'accord? Mais le verre, où il est? Je veux le verre. Comment c'est possible quand Akadosh Baruch Hu, lui, il dit à la Neshama, ne faute pas. Et la Neshama, elle est là, elle brise, elle casse, elle se remplit de tâches. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est bon? Non, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est bon. Et la Tshuva, ça marche. Ça efface. Comment c'est possible? Et là, il faut savoir que la Tshuva, c'est plus haut qu'on comprend. C'est plus fort qu'on comprend. C'est avant la création du monde. Avant qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé la Tshuva. Le Rav va nous expliquer. Il dit comme ça, Amrou Rabotenu Zichronam Levracha, ils ont dit, les Chachamim Zichronam Levracha, Shalom Moshe Rabbeinu le Rakea Rishon. Quand Moshe Rabbeinu il est monté dans le monde, il est des Rekirim. Rekirim, ça veut dire des cieux. Okay? Quand Moshe Rabbeinu il est monté, avant de recevoir la Torah, il est monté et on l'a empêché. Okay? Il faut savoir, il y a des anges qui l'ont empêché. Par exemple, il a trouvé un groupe des anges. Maintenant, ils ont ouvert le Sefer Torah devant lui. De Karo Maase Rishon. Et ils ont lu là-bas, devant lui, tout ce qui s'est passé le premier jour de la création. Ou parce que, et ils sont arrêtés, et ils ont commencé à parler des louanges sur la Torah. Ils ont fait des louanges sur la Torah. Et Moshe Rabbeinu était là-bas. Allah la Sheni, Moshe Rabbeinu, il est monté maintenant dans le deuxième cieux. Il y a sept cieux. Et il a trouvé Chavilot, Shemalachim, Vekorim, Bemaase, Beyom Hasheni. Il a vu beaucoup des groupes de anges et que là-bas, eux, ils lisaient le deuxième jour de la création. Ou Pasco, Vitrino, Shabel, Shibra, Shel Torah, Vechel Israël. Et après qu'ils ont arrêté de dire Yom Hasheni, okay, là, ils ont dit des louanges sur la Torah et sur Israël. Allah la Shlishi, maintenant Moshe Rabbeinu il est monté sur la troisième Rakia. Troisième Rakia, c'est le troisième cieux. Il a vu des malachim, des anges, des gdoudim, ça veut dire plein de groupes de malachim, encore plus qu'avant. Et qui lisent le troisième jour de la création. Ou parce qu'ils se sont arrêtés, et ils faisaient des louanges selon Yerushalayim. Allah la Rébi, il est monté maintenant au quatrième cieux. Matzar er elim korim maase yom revi, ou parce qu'ils vitrilo le chaper be shivro shel Mashiach. Et ils voient maintenant ces gens-là. Que ça, c'est des Er Elim, c'est des anges qui sont plus hauts que des anges simples.
et que ces anges-là commençaient à raconter sur le Shevach, sur la louange du Mashiach. Qui c'est le Mashiach? Comment est le Mashiach? Quand va venir le Mashiach? Etc, etc. Alala Hamishi, il est monté sur le cinquième cieux. Matza, Mahanot, Mahanot, Korim, Bemaase, Yom Hamishi. Il a vu des camps de anges qui lisent la cinquième, le cinquième jour de la création. Excusez-moi, et ils expliquent, ils commençaient à raconter ces anges-là la tristesse qu'il y a au Géhinnom. Allah la Shishi, il est monté maintenant, mon cher Rabbeinu, dans le sixième cieux. Il a trouvé des anges là-bas qui lisent le sixième jour de la création. Et là, ces anges, ils commençaient à parler et raconter qu'est-ce qui se passe au Gan Eden. Et ils demandent, ça veut dire qu'ils prient là-bas, devant HaKadosh Baruch Hu, que tout celui qui fait la volonté d'HaKadosh Baruch Hu, qu'HaKadosh Baruch Hu lui donne le Gan Eden. Allah la Shvi'i, il monte sur le septième cieux. Il a trouvé des anges qui sont encore plus haut niveau. C'est ceux-là qui, en général, qui prennent en général le trône divin. Le trône divin. Ok? Des galgalim ou malachir rahamim. Ça veut dire des anges qui sont encore plus haut niveau. Malachir rahamim, c'est des anges de. Marachamim, c'est de. Miséricorde. Malachir chesed, des anges de bonté. Utsdaka, Umalaché, Red et Vizia, c'est ces anges qu'ils font trembler, qui tremblent. Faut savoir que une partie dans le Gan Eden, il y a des anges tellement qui tremblent, parce que tant qu'on monte plus haut niveau et haut niveau, on a la présence divine la plus forte. Comment c'est possible que nous, on peut tenir? Parce que la présence divine, elle est moins forte dans ce monde-là. C'est tellement ça passe des voiles et des voiles et des voiles et des voiles et des voiles jusqu'après que nous on reçoit la présence divine. Sinon c'était impossible que nous on pourrait pas tenir, le monde pourrait pas tenir, il aurait explosé. Si Akadosh Baruch Hu se dévoile, c'est pour cela Akadosh Baruch Hu quand il va se dévoiler, Bezrat Hashem, on va passer une étape. On va passer, soi-disant qu'on pourra tenir. Noten Shelek Katsamer. Comme dit David Amelech, Mazé Noten Shelek Katsamer, il donne la neige comme le coton. Ça veut dire quoi? Par rapport au coton, il va te donner la neige. Ça veut dire la chaleur, pas la chaleur, le froid qu'il y a selon la neige, par rapport à ce froid-là, il va te donner aussi la couverture. Ça veut dire, il va te donner à Kadosh Baruch Hu la possibilité de comprendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Parce que sinon, c'est incompréhensible. Il y a un des Doléador, à l'époque, il prie à Akadosh Baruch Hu qu'il veut recevoir la Yirat Shamaim, la crainte du ciel, du Rambam. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, après qu'Akadosh Baruch Hu a accepté cette fille-là, il s'est caché sous la table. Il ne pouvait plus bouger. Il tremblait. Il tremblait. Jusqu'à après, Chachamim, ils ont prié pour lui, et Akadosh Baruch Hu, il a guéri. C'est-à-dire, c'est presque impossible d'avoir, avant les Gdolim, tellement qu'ils avaient la crainte d'Akadosh Baruch Hu, que nous, on ne peut même pas s'imaginer. On est très, tellement très loin. Alors, on est obligé, Akadosh Baruch Hu, de se retirer. C'est connu. Il dit le Rav, puisque maintenant il y a des anges. Et c'est il faut savoir que ces gens-là, Malacheret et Malachesia, le fait qu'ils tremblent, ils transpirent. Leur transpiration, ça fait Nahal Dinor. C'est une sorte de fleuve. Que là-bas, si c'est il y a un qui s'est mal comporté. Et dans ce monde-là, il a quand même un mérite. Il mérite de rentrer dans une yeshiva là-bas et bien étudier. Le problème, il est quand par exemple, il y avait une histoire qui raconte Rabbi Moshe Mirotembo.
Rabbi Moshe Mérotembourg, le Maharam, c'est un des Gdolei HaRishonim en Ashkenaz. Qu'est-ce qu'il faisait les Goïm? Il capturait les Juifs et il les vendait. Donnez-moi de l'argent, on vous le libère. Ils ont pris Maharam Mérotembourg, ils l'ont mis en prison. Ils ont, maintenant, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont commencé à récolter de l'argent pour essayer de sauver de la prison. Et impossible. Il a dit après le Maharam à son élève, le Maharam il a dit à son élève, il faut que tu vous arrêtez de récolter de l'argent parce que lui ne voulait pas se libérer. Pourquoi il ne voulait pas se libérer? Parce que maintenant il voulait arrêter cela, que les Goïms ils continuaient à capturer des Juifs, les mettre en prison pour après prendre de l'argent des Juifs. C'est ça qu'ils ont, ils voulaient. Et son élève il a arrêté parce que c'est l'ordre de son Rav. Il a fait tout pour essayer de parler avec son Rav. Son Rav il n'a pas voulu comprendre. Et en fin de compte, Rabbi Avraham Mérotembourg, excusez-moi, il a été décédé dans la prison. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un qui était très loin de la Torah, très très loin de la Torah. Okay? Il est parti vers le gouverneur. Il a dit, je veux enterrer maintenant le Rabbi Avraham Mérotembourg. Rabbi Meir Mérotembourg, excusez-moi. Rabbi Meir Mérotembourg, je veux le délivrer, je veux l'enterrer. Il a dit, il n'est pas mort. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il est mort? Il a dit, je vous dis qu'il est mort. Un vieux comme lui, je vous dis qu'il est mort. Il a dit au gouverneur, si tu le sors et il est en vie, toi tu es à sa place. Alors maintenant, ce bonhomme-là, il a dit d'accord, il a pris un risque. Il a été là-bas, vraiment, il était mort déjà en prison, il a pris et il a enterré. Et non, ce bonhomme-là, il a dormi. Qui c'est qui vient dans son rêve? Rabbi Meir Mérotembourg. Il dit, écoute, je veux que tu aies un choix. Ou tu es ici, tu es riche dans ce monde-là, ou tu es avec moi, à côté de moi, à Gan Eden. Alors ce bonhomme-là, il a dit, c'est mieux de rester. Toutes ces avérotes qu'il a fait, au moins Baruch HaShem, rien du tout, il va rentrer dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir sa famille. Il leur a dit bye bye à tout le monde. Il va quitter ce monde-là, Barminan. Et il est rentré au lit. Okay? Avant tout cela, dans son rêve, il avait un morceau de papier, okay? Que Rabbi Meir Ben Octobre, il a donné. Et il a pris ce papier dans la main, il l'a mis dans sa main et il est mort. On va pour l'enterrer, on lui fait la tahara. Tahara, on le met dans la tahara où on lave les morts. On veut ouvrir la main, impossible d'ouvrir la main. Impossible. On essaye avec tout, bon, c'est fragile, on ne peut pas lui couper les doigts. Okay? Parce que pour la tahara, il ne faut pas qu'il y ait khatsita et tout cela. Quand même, ils l'ont trempé comme ça. Il est mort. Quand il est monté en haut, Bachamay, okay, tout de suite devant le jugement, il a fait comme ça, il a fait montrer le pétek de Rabbi Meir Mérotembourg. Il a dit, ah, toi, si c'est Rabbi Meir Mérotembourg, tu dois venir y aller maintenant à côté de lui. Il l'a emmené à côté de lui. Maintenant, le problème, il est, les gens qui étaient autour, les Nechamot qui étaient autour des Tzadikim, ils sentaient mauvais, ils disent, ça sent mauvais ici, qu'est-ce qui se passe? Ça sent mauvais. En fin de compte, quoi, ça sentait quoi mauvais? C'était ce bonhomme-là maintenant. Il sentait mauvais de tous les avérotes qu'il faisait. Et il remonte avec les avérotes en haut. Hein. La Nechama, il faut qu'on la purifie. Quand on va dans le Gehenam, on passe dans le Gehenam. Il y en a qui passent 11 mois dans le Gehenam. On le purifie. C'est comme une sorte de lavage. C'est une purification. Alors maintenant, il sentait mauvais parce que la verroie qu'il a fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont dit de le rentrer dans le Guéhenname, impossible. Pourquoi? Parce que maintenant, il a le pétek de Rabbi Mérotembourg. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont pris, ils lui ont fait la dvila dans Nahal Dino, on l'a trempé, comme un dvilote, et bon, et après, c'est bon, il est propre. Comme ça, c'est une autre histoire avec la Gemara, elle dit. Mutsal Mi'esh, comme ça, c'était Yeshua Kohen Gadol. Quand même aussi, on l'a trempé là-bas.
pour le purifier. Et tout ce Nahadino, il vient de quoi? Il vient du Zia, du transpiration des anges. Et puisque maintenant, ces anges-là, maintenant, ils commençaient à parler devant Moshe Rabbeinu, Miaz, tout de suite, immédiatement, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé le tronc divin. Et Trilou, Likrot, Maase, Yom Shevi. Il avait peur, Moshe Rabbeinu. Là, ces anges-là, comme ça, ils commençaient à parler, okay, et de dire le passage de Yom HaShevi, etc. Il avait peur qu'il le brûle. Ouais. Au Pascou, ils trillent les affaires. Après, ils se sont arrêtés. Quand ils ont fini, et ils ont commencé à dire des louanges sur la Tshuva. Mais pourquoi ça l'a protégé quand il a attrapé le trou? C'est un autre Midrash qui raconte. Tous les anges là. Maintenant, pour le Rav, il veut nous expliquer, nous faire montrer que Moshe Rabbeinu, que la Tshuva, elle vient très haut. Maintenant, Moshe Rabbeinu, quand lui, il est monté en haut, le Midrash, il dit que chaque moment, quand lui, il montait, il voulait le brûler. C'est pareil que maintenant, il voulait le brûler, il voulait le tuer. Il dit Maïlod Isha Benenu. Un homme qui sort d'une femme. Les anges, ils ne sont pas des femmes. Qu'est-ce qu'il fait parmi nous? À un moment donné, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une apparence de Moshe Rabbeinu comme Abraham Avinu. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, regardez maintenant, vous voyez, c'est Abraham, d'accord? Il dit, oui, comment vous allez le récompenser que lui, qu'est-ce qu'il vous a donné? À manger, il vous a fait Achnasat Orchim, vous a fait rentrer chez lui à la maison, vous a lavé les pieds, d'accord? Comme ça, vous... Alors là, ils l'ont laissé tranquille à Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, à un moment donné, il ne pouvait plus. Quand il arrivait au septième ciel, il y avait les anges, ils voulaient le brûler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils voulaient le brûler? Regardez ce qu'ils ont dit, les anges. Ils ont dit, les anges, à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, je suis venu prendre la Torah. Quand je me suis ordonné de prendre la Torah, il a dit, mais qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Okay. C'est écrit dans la Torah quoi? C'est marqué. Qu'un homme, il va fauter. Comment c'est possible? Comment c'est marqué dans la Torah? Hein? Ah oui, c'est marqué, ne vole pas. Non, ne vole pas, ne tue pas. Est-ce que c'est possible qu'un homme, il va rester bien devant Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là? Mais dans un autre côté, c'est écrit, un homme, même qu'il est tzaddik, même qu'il va faire du bien, il va faire des fautes, il fait des fautes, il va trichucher. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Il ne savait pas quoi répondre. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, « Echoz, mitachat akise, mazeh echoz, attrape le tronc divin, v'tanel haim tshuva, et donne-leur une réponse. » Et pourquoi? Quelle réponse que c'est? Tshuva, anel haim tshuva, il faut que tu leur réponds qu'il y a tshuva, que c'est vrai qu'un homme il peut fauter, mais il y a tshuva. Akadosh Baruch Hu, il a créé la tshuva, Bezrat Hashem va nous expliquer le Rav, Akadosh Baruch Hu, il a créé la tshuva avant la création du monde, sinon c'était impossible de faire tshuva. Et il y a des niveaux dans la tshuva. Il y a des niveaux infinis dans la tshuva. Mais pourquoi, ce que je ne comprends pas, pourquoi quand il a attrapé le Kissa Kavod, ça a été une chiméra pour lui? Mais quand je me rends, il a dit, Tane la tshuva, Echoz la em. Oui, alors Tane la tshuva, Stam, pourquoi Tochad Kissa Kavod? Ça veut dire que quand maintenant il y a une tshuva, mais là il ne peut plus le toucher, à Moshe Rabbeinu. Voilà la tshuva, c'est vrai, vous avez raison, qu'un homme dans ce monde-là, impossible. Oui, t'as un tshuva, c'est tout. T'as un tshuva, c'est ça la tshuva. Ça suffit. Non. Pourquoi il a besoin d'attraper Kissa Kavod? On peut comprendre que Akadosh Baruch Hu, lui, il a besoin de tshuva. Sans Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas. C'est vrai que tu veux faire tshuva. Tu fais tshuva seul, comme il y en a un qui est venu vers moi une fois, il m'a dit, vous savez, ceux-là qui font tshuva, il faut qu'ils font tshuva sur la tshuva. Ça veut dire quoi? Regardez comment c'est profond. Un homme qui fait tshuva, s'il n'est pas géré avec Akadosh Baruch Hu, avec quoi? Le chaliar d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il est chachamim, un grand chacham, un tzaddik comme il faut, un tzaddik dans ce dor-là. C'est pas qu'un tzaddik qui est déjà mort. Parce que, pourquoi? Parce que tu peux pas comprendre des fois qu'est-ce qu'il veut dire le rat. Bien sûr, c'est comme Moshe l'a eu au choix. Voilà. Et pourquoi il met voilà? Sinon il y a la Sefer Torah. Et c'est bon, on n'a pas besoin du Yoshua. Comme il a dit Korah. Exactement. Ça marche pas. Puisque maintenant on a dans notre chaque d'or génération, on a Moshe Rabbeinu, on a Yahushua,
on a les Zkenim, on a les Knesset Gdola, toute génération, on a les Chachamim dans ce désodor. C'est pour cela le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il fait Tshuva, et il y a des niveaux dans Tshuva, il faut qu'il est tout le temps géré avec un Rav qui est compétent, qui lui dit quoi faire. Les Chachamim, c'est comme ça qu'il faisait. C'est pas maintenant, un homme, lui, maintenant, il va commencer, c'est bon. Quand il y en a un qui est venu vers moi, il veut faire Tikkunim. J'ai fait des fautes, je veux me réparer mes fautes. Allez, c'est dangereux. Tu n'as pas le droit de faire qu'est-ce que tu veux. Une des réparations des fautes, c'est de faire tshuva, c'est quoi? De regretter. Les autres Hachem, on va expliquer les autres Hachem plus loin. Hachem, ils ont fait.